connaît Paul. Hein. Moi je prends pas de café, ça tombe bien. Allez. Ah ouais. Tu prends pas de sucre, tu veux dire? Ok, ouais, c'est bon alors. Je prends pas de sucre. Ah, je suis bête. À votre santé. Bon, t'es où, Rayad ? D'aller voir. Ils redescendent, je crois. Peut-être qu'ils vont se placer quelque part. Bien, toute la nuit. Peut-être qu'ils vont mieux se placer et occuper en permanence la canne-bière, au moins cette nuit. Je sais pas. Je pense pas que ça s'arrête là. Il y a que 6 heures. Sois patient. Oui, t'inquiète. Il y a que 6 heures. Et on est bien, on traverse. Vas-y, bourgeoise. Et on descend. Il est en train de faire à Miami. Il l'a gazé peut-être. ouais. J'ai pas envie qu'il me prenne mon phone. Il est café. Tu trouves comment? Fort? Très fort. Trop, mais je vais pas me plaindre, c'est mieux grain. Ouais, ok. Pour savoir la prochaine fois. Je finis. Oui, je peux passer par là? Non. Ok. Je viens là, c'est pourquoi? Pour là, hier, tu verras, c'est pas sur Insta. Bonne question. Pas de soucis. Donc on peut pas passer par là, on fait le tour. Ouais, viens. Même en bas, tu peux pas passer. Là, putain, ces enfoirés. Comment, par où on va passer? Bon, allez, je coupe. Téléphone, c'est tout. Viens, parce que on fait juste par là, derrière vous. On prend une rue adjacente. Voilà. Je ne crois pas. Bon, c'est bien. C'est coupé le lien et la batterie de la cam marche pas. Mais c'est pas grave, j'ai eu tout ce que je voulais. Je suis content. On a eu quand même de l'image. Parce que franchement. On va profiter pour faire des commentaires et tout. Oh mec, on
on est avec les journalistes, on bosse exactement comme eux, et alors qu'on fait des vidéos YouTube. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de faire le maximum aujourd'hui. Je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que j'aurais aimé un peu plus de sensationnel. Bon, pas de soucis. C'est pas plus mal d'ailleurs. Mais on a essayé de livrer quelque chose. Après, je suis d'accord que c'est pas passé non plus des. C'est pas mon reportage sur la plaine, là où là ça bougeait vraiment. Oui. Les trois charges chimiques, tout ça. Bon, après, vous avez pu remarquer un petit peu. On a essayé de mettre, et Aziz et moi, je ne sais pas ce que tu feras en montage, mais on a essayé de mettre du contenu. Ça livre à une analyse, on peut passer par là. Ce que tu fais, moi je mixe en live ce soir mes images. Non. Moi je mixe en live ce soir mes images. Ouais. Et toi, tes images je commentées, tu fais ton montage et tu les envoies demain ou lundi ou... Ouais, je les pose directement. Oui, bien sûr. Je suis de retour. Oui, bien sûr. Je pose directement. Et ce que je vais faire. Alors... Viens, là, on coupe. Hein. Enfin, toi, si tu veux continuer. Je mettrai aussi un condensé sur la main du roi. Un condensé des 1h20, là, 1h20, 1h30 que j'ai. Oui. Je le mettrai sur la main du roi. Mais je mettrai juste quelques charges. Je ne sais pas encore comment je vais l'illustrer, mais j'ai envie de faire un truc différent, c'est-à-dire des images avec de la musique adaptée et sans commentaire. Bien sûr, sur la main du roi. Par contre, le reportage, non, il est sur Los Locos. Ah, I'm back. Los Locos. Ah ouais, putain. I'm back. Il faut passer par là, c'est pour ça que... Non, on voit bien, droit, tranquille. Je lui dis, parce qu'il me dit, vous pouvez pas passer. Et je lui fais, sinon pourquoi on est là? Je lui dis, bah ouais, c'est une bonne question, ça, pourquoi vous êtes là? Et là, il a rigolé. Là, c'est bien, parce qu'avec ton reportage-là, tu vas leur montrer l'une des rues adjacentes. Tout à l'heure, les jeunes venaient de par là. S'enfuyer là-bas. Montre-leur un peu les rues adjacentes autour. Quand je disais que la configuration était merdique pour la défense. Voilà. Voilà. On est venu par une petite rue. Vous avez vu ce qui est bien. Non, c'est excellent. C'est excellent que tu aies gardé là le reportage. Là, garde ces images. On vient de leur montrer comment on contourne les CRS en discutant tranquillement. Comme quoi le dispositif, vous voyez, regardez. Oui, en plus, c'est deux PP qui contournent les CRS. Voilà. Bah viens, on remonte. On peut passer devant la mairie. Ouais, on va passer. Comme quoi, 72 hommes, lorsque tu es dans un centre-ville avec des petites rues de partout et des jeunes mobiles, tu peux pas gérer. Et ils ont de la chance parce que là, le public était un public tranquille. Parce que franchement, si ça avait été, comme je le disais tout à l'heure, déjà un peu plus déterminé, je pense pas qu'ils aient pu contrôler quoi que ce soit. On aurait vu arriver plusieurs compagnies de CRS, parce que il me semble que une compagnie de CRS est 72 hommes, et là on était à peu près à 70 hommes. Même si c'était mélangé, puisque tu avais des mobiles et tu avais des CRS. Les uns appartenant à la gendarmerie et les autres appartenant à la police. Les premiers, je les trouve plus professionnels et moins sadiques. Et les deuxièmes, par contre, je préfère pas dire ici ce que je pense d'eux, pour les avoir vus à l'œuvre. Alors après, ils auront toujours beau arguer de leurs conditions de travail, c'est quand même eux qui protègent le gouvernement, comme les CRS grecs ont protégé leur gouvernement malgré des baisses de salaire. Bon, nous, on a de la chance, on a des CRS qui ont des primes pour nous taper dessus, il faut le savoir. Ils ont eu des primes et ils ont eu beaucoup, beaucoup de gros jouets. Le pouvoir français est un peu plus malin que le pouvoir grec. Il s'est dit, si on leur enlève soit 20% ou 30% de leur traitement, ils vont se rebeller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt les cajoler. C'est ce qu'ils ont fait au CRS, aux forces spéciales et à des gens qui gueulaient, qui étaient très importants. Parce que, bon, faut être honnête, ils sont importants. Après, moi, je dis pas qu'il n'y a pas des salauds en face, des casseurs, des gens qui sont haineux. Mais que la police et que les CRS, hein, je parle des CRS uniquement, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas apprécié? Pourquoi les gens ont autant la haine que vous? Et c'est même pas une histoire de quartier, parce que vous vous êtes rendu compte, à mi-CRS, et quand je dis à mi, c'est ironique, qu'il y a
il y a une dizaine d'années que vous êtes rendu compte que des gens de toutes couleurs, de tous milieux sociaux vous détestez. Pourquoi? Posez-vous la question. Voilà, posez-vous la question quant à vos agissements. Le problème, si on est casseur et on se fait matraquer, c'est le jeu. Mais quand tu passes ou tu fais de la vidéo, le type, tu lui parles, il te parle mal, que le type, il te menace. Quand tu as des CRS, tu leur demandes un renseignement, ils se mettent autour de toi, ils veulent le bâton levé, prêt à te taper. Comme ça, c'est moi je paye des impôts, je les paye, c'est fainéant. Pourquoi ils me menacent comme ça? Surtout que moi, je ne suis pas dans les... Voilà, je soutiens ni les émeutiers, ni personne. Mais c'est ça, moi, que j'ai envie de dire aussi, s'il y a des CRS. Ils te disent, je sais pas, comment tu peux faire? Tu soutiens le gouvernement qui t'opprime. T'es schizophrène, CRS? Moi, j'ai envie de te poser la question. T'es schizophrène? C'est trop facile. D'un côté, t'as ton crédit que tu payes, ta femme, tes enfants, ton crédit. De l'autre côté, tu veux jouer le patriote. T'es pas patriote, puisque ce gouvernement-là, t'as un gouvernement de traître et tu le sers. Bah, démissionne. C'est ça. Et qu'on me dise pas oui, mais non, mais si tu veux être patriote, si t'es un patriote, tu démissionnes. Parce que... Lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les vrais patriotes sont sacrifiés bien autrement qu'une démission, surtout à nos âges. Voilà, là ce qu'on voit c'est des CRS qui ont tapé, mais dans toutes les manifs, je ne parle pas spécialement de cette manif-là, reprends la manif pour tous où ils ont gazé des femmes et des enfants en poussette. J'ai l'impression qu'on leur mettrait leur grand-mère, qu'ils la matraqueraient. Ils ont un problème de violence, et s'ils sont autant détestés, c'est qu'ils sont désagréables avec tout le monde et qu'ils servent le régime. Et là, ce n'est pas les militaires. Les militaires dans la rue, c'est l'opération Sentinelle, ils nous protègent de salauds. Là, non, on a affaire à des types qui viennent te matraquer, te gazer. Alors aujourd'hui, le type à qui tu as parlé, c'est un gendarme mobile. Ils savent se tenir, eux. Ils savent encore se tenir parce que, bon, c'est un autre trip, les mobiles. Hein. C'est comme les gendarmes et les flics, c'est un autre trip. Mais moi, les CRS, je ne les apprécie pas. Je ne les apprécie pas, je ne les porte pas dans mon cœur parce que je les ai vus faire plein de choses ici. Pas spécialement à moi, mais même à moi, je pourrais en raconter et je commence à comprendre pourquoi dans les quartiers ou même hors des quartiers, ils sont détestés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'était pas une insulte, c'est pas un nique la police. Sans parler de la pression sur les automobilistes. Voilà, c'est juste une vérité que ressentent beaucoup de gens. Si on en est arrivé, alors que moi j'ai bossé des années avec les Schmitt, j'ai bossé des années avec la police, je connais leurs contraintes, je les respecte. Les CRS, si j'étais amené à ne pas les aimer, c'est parce que... Hein. Écoute, je te prends un truc, je passe à Noailles, il y a un événement, je prends mon portable. Je ne suis pas le seul à filmer, je vois une espèce de grosse brute cagoulée qui arrive sur moi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez bien, je fais une vidéo, je lui dis. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la vidéo? Je sais rien, moi je tourne mon téléphone. Et qu'est-ce qu'il y a? Regardez mieux. Je lui fais, mais c'est quoi le problème? Et le gars n'arrivait pas à articuler. Il n'arrivait pas à dire trois mots. Et après je lui dis, ah, vous voulez pas que je filme vos collègues policiers? Il fait, ouais, et il part comme ça. Je lui fais, ah bon, il est désagréable. Ben, ça ne m'a pas laissé une bonne impression. Le mec menaçant, alors qu'il aurait pu venir me dire, monsieur, surtout que j'étais pas le seul à filmer. Et de l'autre côté, tout le monde filmait. Pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu me parles mal? Pourquoi tu me parles de manière menaçante? C'est tout. C'est ma barbe. Si c'est ma barbe, c'est toi qui défends Idlib, les terroristes. Tu défends l'État français, tu défends les terroristes à Idlib. C'est toi le terroriste, j'ai envie de leur dire aussi. Parce que quand ils voient des gens, ils ont toujours une bonne raison. Mais de toute façon, ils s'en prennent à tout le monde. Hein. Je pense que c'est des incidents qui peuvent toucher toute la population. Ce n'était pas du tout un délit de faciès. Non, non, ils ont un problème avec la population, quel qu'elle soit. Parce que, écoute, moi, je vois des manifs, je vois des comportements à l'égard de jeunes blancs qui sont peut-être même plus durs qu'à mon encontre. Donc voilà, je ne veux pas non plus qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, les képis, j'ai du respect. La bague, j'ai du respect. La DGSI, ça dépend. Il y a plein de systèmes, il y a plein de services que tu respectes, que tu ne respectes pas. Il y en a d'autres, tu peux tenir compte de leurs contraintes. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont été soft, qu'ils se sont tenus. Mais tu te rappelles, et tu es au courant toi-même, de ce qui s'est passé le 14 novembre à Noailles, où ils ont défoncé la tête à des gens dans les quartiers autour. Ils ont fait une chasse à l'homme. Et ça, il n'y aura jamais d'enquête. Et ils pensent, ces gens-là pensent qu'en parlant mal, ça ne reste pas. C'est ça qui reste. C'est pour ça que les gens ne les aiment pas. Quand tu évites, quand tu as des jeunes qui s'enfuient pour ne pas leur demander un renseignement, pour ne pas leur parler, c'est parce que ces gens sont plus la menace que l'ordre. Tu parles avec eux, tu demandes un renseignement pour la rue d'à côté, tu finis en garde à vue parce qu'il t'a mal parlé ou parce qu'il t'a demandé la totale et tes papiers machin. On a affaire à des gens comme ça qui sont même incapables, tout simplement, de comprendre ce que tu leur dis lorsque tu vas poser une plainte. T'en as aussi. Alors, je sais qu'on les a appelés pour les quotas. Mais voilà. Enfin bon, bref. Tu tournes au charbon? Non, mais parce que le charbon, il est éteint. Là. Moi, je vais... là, j'ai fini le reportage, comme je te l'ai dit. Je laisse finir le tien, après. Mais le mien... Enfin, le nôtre. Je sais pas si Noailles s'est ouvert. Je sais pas comment je vais rentrer chez moi, là. Le Raja. Moi, ça va, je suis pas trop loin chez moi. Le Raja. Si le Raja est ouvert, c'est bien. Non, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, donc tu mettras le tien, je mets le mien, je le mets demain matin, et sur la main du roi, je mettrai les highlights. Oui, il y aura mes images d'abord ce soir sur mon live. Tu fais un live ce soir? Tu m'invites pas?
ça va. Bah si, si tu veux, j'allais te... Voilà. Tu m'invites pas. Tu le fais sur où? Tu le fais sur Lazare ou sur... Non, 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 sur le Slowcoach, je fais sur peut-être un live avec OBS où je passe mes images, je vais les diffuser en live. Ah, tu veux les présenter comme ça? Oui, toi, non, pas, mais... toi au minimum, passe me dire bonjour sur le chat. Je passe dire bonjour. Et bien. Si tu veux monter, je t'envoie le lien. Il n'y a pas de problème. Écoute, ce que je te propose, fais-le. Je passe mettre mon petit pouce. Comme ça, j'envoie de la musique aussi en même temps. Je tu vous vois. Écoute. Et s'il faut monter après, tu me dis si je suis encore dans le coin, je monte. Oui, tiens, si, et s'il y a 2-3 personnes qui veulent monter, qui ont un peu de matière à moi, tu vois, on peut enchaîner sur un petit live d'une heure. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres gens qui sont sur Marseille qui pourraient joindre à nous au fur et à mesure. Là. Je pense que c'est mamie, il va continuer. Ah, le Raja, il est ouvert. Bon. Bon, allez, aïe. Je te dis à ce soir, peut-être. Ouais, c'est, allez, ciao. 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 Tu continues ici? Non, je vais essayer de prendre, je vais voir si c'est ouvert là. Sinon, je vais remonter jusqu'à Arinc à pied. Allez, ciao. Eh, il faut qu'on fasse la balade dans le panier. Faut qu'on fasse la balade dans le panier. Dès qu'il fait beau, on l'a fait. On reste 2-3 heures comme ça et on parle comme ça. Moi, je te propose, au pire, dimanche prochain. La semaine prochaine, moi, je bosse l'après-midi. Donc. Mais la semaine prochaine, je te propose dimanche. Matt un peu les prévisions météorologiques, comme ça tu choisis le meilleur jour dans la semaine par rapport à tes dispositions à toi. Ouais, c'est pas fini, je crois. Il n'y a plus de métro, il n'y a rien. Hein. Où ça? Au Vieux-Port. Vieux-Port. Pourquoi Vieux-Port? Ah ok, ouais, plus au-dessus, ouais. Ouais, j'ai capté. Mais après, pour aller juste dans les quartiers nord, putain, jusqu'à Bougainville, je suis niqué, ouais. À pied, ouais. Ah bah, vous pouvez prendre le métro Saint-Charles, là-bas, peut-être c'est ouvert. Ah, super, merci pour l'info, cousin, tu me rends service. Allez, ciao. Bon, on va aller faire un petit tour là-bas, quand même. Il se passe quelque chose là-bas, tu crois? Je pense qu'ils rentrent dans le fagon, là. C'est pas ça qu'ils sont. Ah ouais, pour pouvoir repartir. Faut changer de lieu, Ok, merci pour l'info. Je vais terminer par une balade sur le Vieux-Port.
T'as pas compris depuis le même. Non, 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 non. C'est quoi? C'est pour ma chaîne. Tu fais des clips un peu? Ma chaîne, votre chaîne YouTube? Ouais, ouais, ouais. Tu stabilises la caméra, ça? Ouais, 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 ouais. C'est, quoi, c'est bien, ça fait pas ça. Ma chaîne, c'est Los Locos, mec. Vous avez combien d'abonnés? J'en ai, on en a, on est deux et j'en ai 8000. Pas moi, vous donnez, tu les montres là. Hein? Pas moi, vous donnez. Vas-y, mec, raconte un truc. Ajoutez sur Snap. Sinon, il y aura des représailles. 83, 13, 13. Non, écoute, écoute. Ajoutez sur Snap, il y a Nice 27-21. Vas-y, on a joué, c'est normal. Tu peux ta chaîne, voilà, venir m'abonner sur Los Locos. Los Locos, comment ça s'écrit? Comme en espagnol, L-O-S, L-O-C-O-S. Los Locos. Locos. Tu vas t'abonner. Voilà ma chaîne. Ah ouais, putain. On a fini, on va la mettre en entier. J'ai au moins 5-6 vidéos de 15 minutes et mon pote aussi. Et on a c'est filmé. Ton truc, hein? Ouais, ça va.
ça coûte cher ? Ça coûte encore un peu cher. Ouais. C'est pas de la super qualité, ça. C'est un modèle en plus il y a 2 ans. Ouais. D'accord. Et même il y a 2 ans, tu payes 100 euros neuf. Ouais. Tu vois, celui actuel. 1000 euros, ça fait de coûter. 500, 600. Putain, il faut pas que je filme le son, tu vois. Et comment... voilà, c'est ça. Et hein ? C'est pas loin, quoi. Non, ça se fait pas, mec. Ça stabilise avec la même dans le caoutchouc. Ouais. Putain, ils ont éteint la roue, sa mère. Ça m'en va ? Bon, les gars, bon courage à la prochaine. Ciao.